Bonjour à toutes et à tous, c'est Solarius et je vous retrouve pour la suite du let's play de Lego Batman, le jeu vidéo. Comme je l'avais promis, on va se lancer directement dans le chapitre 2 des missions côté vilain. Malheureusement, on ne pourra toujours appeler Gueule d'Argile vu qu'il a déjà été arrêté par Batman. C'est un personnage que je trouve très cool, mais bon, de toute façon, une grande partie des méchants de ce jeu sont très cool à jouer. On a plus de variété que qu'avec Batman et Robin, donc quelque part ça fait plaisir d'avoir ces missions-là. Freeze, viens à toi! On sort t'acheter une petite glace! On a besoin de ton canon congélateur! Mais il est congelé dans ton ancienne usine! T'as froid ou t'as peur? Attends, c'est son ancienne usine, l'usine de crème glacée là? C'est un scientifique qui faisait la cryogénie, pas un gars qui faisait des crèmes glacées. Je sais pas. Voilà, donc on a eu la clé. Voilà, donc là il nous montre comment les policiers ont été glacés. Tout le monde, c'est mon cinquième essai, je suis déjà mort 4 fois. Ce niveau est dur, que je vous explique. Mister Freeze est un très mauvais combattant. Comme vous l'avez vu, il peut geler les ennemis avec son canon. Mais quand il est en train de tirer son rayon réfrigérant comme ça, il ne peut pas se déplacer. Il est bloqué sur place. Et surtout, donc du coup, quand les ennemis ont des pistolets, on est totalement vulnérable. Et donc si on est en train de tirer ça alors que les ennemis ont des pistolets, ils nous défoncent quoi. Hop, voilà. Le truc c'est que je peux pas non plus jouer, donc sur le papier, le Sphinx est un bien meilleur combattant. Le truc c'est que je peux pas non plus trop jouer avec le Sphinx parce que... Mr. Freeze peut nous geler avec son canon. Même quand c'est une IA et que nous on est joueur. Et s'il le fait, on meurt. Donc l'IA peut nous tuer en tentant d'attaquer les ennemis. Donc ça va être très très compliqué ce niveau-là. Là on a un bonhomme de neige. Oui. C'est pas les bonnes poubelles que j'ai cassées parce que il fallait casser ça. Donc on peut pas vraiment se battre avec Mr. Freeze parce qu'il est trop vulnérable. Et on peut pas non plus se battre avec le Sphinx parce que il est trop. Enfin. Parce que Mr. Freeze risque de le geler, de le one-shot. Oui, quand vous êtes gelé, ça one-shot. Hein. Là par exemple, j'ai failli me faire avoir. Voilà. Attends, est-ce que si je fais rentrer le camion à glace, j'ai un bonus? Ah, intéressant. Hop. Vous voyez comment j'ai déjà perdu de la vie avec Mr. Freeze? C'est fou! Je me suis fait défoncer, mais méchamment! Et c'était que 3 ennemis! Même Indiana Jones se faisait pas autant défoncer!
Mr. Freeze, c'est vraiment un des pires personnages Lego. Des jeux Lego. Attends, hop, voilà. Donc ouais, ce niveau va être vraiment difficile. Voilà, ça c'était propre pour le coup. Là, il va y avoir des policiers qui arrivent. Ceux-là, on peut les spawn kill entre guillemets. Donc, on peut les prendre à la sortie de la glissade. Donc, ça va, ils sont faisables. Hop. Il me fait peur, Mr. Freeze, à me tirer comme ça. Parce qu'il peut me tuer en faisant ça. Hein. Si jamais j'ai pas de chance, il me tue. Hop. Bon, du coup, là, on doit utiliser Mr. Freeze pour se créer des plateformes glacées. Ouh, chouchouchouchou. Voilà. Vous pouvez être tenté d'aller jusqu'au bout là sur le. Sur la plateforme grillagée là pour tenter de. De contrôler ce policier là, c'est un policier. Vous pouvez tenter d'aller sur le truc là-bas pour prendre le contrôle de ce policier plus facilement, mais vous ne devez pas. Parce que si vous le faites. Là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire monter le niveau de crème liquide avec ce tourniquet. Donc forcément si vous êtes sur le truc grillagé pendant que vous faites ça, bah vous mourrez. Tout bêtement. Hop. Heureusement qu'on ne garde Mr. Freeze que pour un niveau. Alors. Ok, bon. C'est quoi ce personnage? C'est un ouvrier d'usine, d'accord. Vas-y, Freeze, va là. J'ai le soin de souci. Ouais,
Ouais, c'est vraiment pas agréable parce que du coup vous êtes obligé de jouer Mr. Freeze. Hein, parce que sinon l'IA peut vous tuer. Mais en même temps, Mr. Freeze est un personnage qui est vraiment pas agréable à jouer. Parce qu'il est sans cet élan, ses attaques spéciales sont. Enfin, son attaque spéciale est pas ouf. Hein. Et, ah, j'arrive pas à monter à cette échelle! Voilà. Ah, j'avais cru qu'ils allaient m'attaquer. Wait. Oh, il est chaud lui, il m'attaque avec une clé à molette. Oui, donc non, je pouvais pas les... je vais assumer que Mr. Freeze est résistant aux toxines. Si c'est pas le cas, je m'autorise le droit de recommencer. C'est bon, il l'est. Ok. Voilà. Ça c'est gelé, on peut le traverser sans crainte. Ah, là c'est partie de ces zones d'accès interdites où on peut le contrôler avec le sphinx pour. Ils disent oui monsieur. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Trop nombreux, trop nombreux. Ah bon ben. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont vraiment créé des nouveaux environnements, enfin des nouvelles cartes pour les niveaux des vilains. Oh mon dieu. Ouais, mais comment je fais ça, moi? Je peux pas approcher par là. Ils ont vraiment créé des nouvelles cartes. Enfin, et en même temps, ils ont aussi fait des enfin, réutilisé d'autres. Genre là, c'est notamment les salles des boss. Donc, vous accédez au même endroit que Batman et Robin par un autre chemin. Et ensuite, vous êtes au même endroit et vous devez faire une énigme qui est différente. C'est vraiment sympa. Oh, wait, j'avais pas vu que je pouvais casser ça. Ok, ils peuvent pas me tirer dessus depuis là, c'est parfait. Voilà. Je vais me... Alors, je vais prendre le contrôle d'un officier de police. Je me demande si je peux pas... Waouh. Ouais, bon, mieux vaut ne pas faire le con. Oh, wait, attends, what? Faut que je fasse bleu d'abord? Non, attends. Non. Faut que je fasse bleu, vert, jaune, rouge. Ça, je peux pousser ça aussi. Thank you.
Nice. J'ai fini le niveau. Je m'en fous. Et il a libéré une armée de clones cryogénisés, je sais pas ce que ça foutait là. Wow, je suis pas mieux content d'avoir fini avec ce niveau parce que c'était vraiment pas... vraiment pas agréable. Ouais, Mr. Freeze est peut-être le pire personnage que j'ai vu dans les jeux Lego. Je préfère largement un Indiana Jones à Mr. Freeze, hein, pour être honnête. Mr. Freeze est injouable. Et en même temps, t'es obligé de jouer avec lui parce que sinon il te tue quand il est contrôlé par l'IA, quoi. C'est ça le gros paradoxe. C'est vraiment très compliqué. Mais bon, on a réussi. Et on ne jouera plus avec Mr. Freeze, c'est la bonne nouvelle. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la prochaine.